las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera, ella está allá en mil colores, hay mil pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra, ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena, ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Báilame muy dentro de mi corazón, enamórame en un mundo de superstición. Lávame en tu río este calor de amor, que en tu pecho de estrellas yo caigo. Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida, la mujer tiene un misterio, un magnetismo que fascina. Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida. Ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza. Bonjour. Y a quelqu'un? On m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui voulait me voir. Et... c'est bizarre. Mon Dieu! Tabata, ma petite sœur! Oh, tu es vivante! Imagine, tu es vivante, je le savais! Est-ce que tu es belle? Oui, oui, je suis bien vivante. Je ne crois pas. Mais j'ai une vie très... J'ai une vie très différente, ma chérie. Je me cache dans la peau d'une femme qui s'appelle Isabelle, mais je suis toujours là, ma petite sœur. Pardonne-moi de... Pardonne-moi de t'avoir mené la vie dure. C'était parce que j'étais jalouse. La vie ne m'a jamais fait de cadeau. Alors parfois, quand j'étais mal dans ma peau, je m'en prenais à toi. Mais tu sais bien que je t'ai toujours aimée. Hein? Tu le sais. Tu me pardonnes. Oh, mais je n'ai rien à te pardonner, ma chérie. La famille, c'est sacré, pas vrai? Et tu vérifies la même chose pour... Qu'est-ce qui se passe, Isabelle? Il y a eu un problème avec mademoiselle, vous connaissez? Eh bien non, avec mademoiselle? Non, il n'y a rien. Mais comment ça, rien? Mademoiselle est en larmes. Mademoiselle, je suis médecin, si vous avez besoin d'aide. Non, non, merci, monsieur, je veux bien. Non, non, Miguel, c'est seulement que... Mademoiselle est la sœur de Climaco. Oui. Et en fait, elle est venue le chercher, mais bon, elle ne l'a pas trouvé. Et comme j'étais ici par hasard, on s'est vu et elle m'a dit qu'elle avait un fils et qu'elle n'avait pas de travail. Oui, et alors, je lui ai demandé de m'aider et puis elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas m'aider parce qu'elle n'est pas la patronne. Oui. Alors je lui ai parlé de mes problèmes, mais je suis désolée de vous avoir dérangé. N'en tenez pas rigueur à mon frère parce que j'allais partir. Non, 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 il n'y a rien à craindre, soyez tranquille. Et puis ne vous inquiétez pas pour Climaco. Et concernant le travail, eh bien, ce n'est pas évident parce qu'il n'y a pas de poste libre, mais on peut essayer de trouver. Je me présente, Miguel Angel Arestigueta. Enchanté, Tabata Blanco. Notre médecin, le docteur Rolando Diaz Cabrera. C'est un plaisir. Merci. Rolando, tu pourras accompagner mademoiselle au bureau de personnel pour qu'elle y laisse ses coordonnées? Mais bien volontiers. Ah, très bien. Suivez-moi. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous aussi, madame Isabelle. Merci à vous tous. Merci. Merci. Pourquoi, tu peux me dire? D'être comme tu es. Juste pour ça. Je me sens très mal avec moi-même en ce moment, Gaëtan, tu comprends? Mais je suis une mère. Et je dois montrer l'exemple à mes enfants. Tu es une vraie femme, une femme forte. Forte pour tes enfants. Mais je ne sais pas quoi faire avec ce que je commence à ressentir. Mais regarde-toi. Regarde-toi sur cette photo, Trinidad. Regarde-toi. Regarde, cette Trinidad joyeuse et orgueilleuse. C'est cette femme que je veux voir, que je veux écouter, avec qui je veux vivre et prendre le café tous les matins. Je veux faire ma vie avec toi et t'emmener à Funchal.
Et je veux que tu connaisses la maison où je suis né. Et je veux finir ma vie avec toi. Va-t'en, Gaëtan. Va-t'en, s'il te plaît, tout ça me fait trop mal. Vraiment. D'accord, je m'en vais. Mais même si je vais loin, je resterai à quelques millimètres de ton amour. Et tu le sais. Je vais prendre avec moi cette photo pour te voir toujours heureuse. Cette joie que tu avais, je ne sais pas. Je ne sais pas qui te l'a volée. Mais je suis sûr que je peux encore me battre pour te la rendre à nouveau. Que pido es poco, poco, y confieso lo que siento de verdad. Me conformo con tus besos, tu sonrisa de aderezo. No me importa lo demás. Je vois que je continue à marquer les points. Ce remerciement est comme un grand drapeau blanc, très grand. Ah, c'est pas vrai, t'es vraiment têtu, toi, hein? Écoute, je t'ai remercié pour ton... pour avoir aidé cette pauvre fille. Mais ça a été un très joli merci, Isabelle. Pourquoi tu ne me dis pas tout? Aie confiance. Tu peux tout me dire, je sais que c'est pas facile, mais essaie. D'où est-ce que tu connais cette jeune femme? J'ai rien compris du tout. Eh bien, le tout, c'est une notion très générale de la vie. C'est la vie elle-même. Et dès que je t'ai vu, j'ai su que tu étais mon tout. Et quand je veux quelque chose, je veux tout. Vous parlez d'une façon un peu trop ambiguë. Vous me draguez ou je me fais des idées? Eh bien, pour être vraiment sincère et aussi honnête, et en peu de mots, oui. Vous êtes plutôt chaud, vous, non? Faites attention, vous allez exploser. Tant que tu me laisses exploser dans le fond de tes yeux, ma jolie, je m'en moque. À propos, quel est le numéro de ses yeux? Je veux dire, quel est le numéro de téléphone où je peux te joindre? Un numéro pour quoi faire? Très bien, je t'explique. Il se trouve que je suis le médecin de cette entreprise. Et bon, en tant que tel, j'ai besoin d'une assistante. Quelqu'un qui ait une bonne formation et avec une bonne prestance. Et surtout, qu'elle soit aussi disponible pour connaître le monde, si tu vois ce que je veux dire. Très bien. Je crois que j'ai trouvé mon assistante. Ah, parfait. Merci et au revoir. Vous voyez, monsieur Aristigueta, on ne peut pas reconnaître vos bonnes actions sans que vous commenciez à poser des questions et à vous méfier. Moi aussi, j'ai été touché par cette femme, Isabelle. Et je te jure sur notre amour que je ne me méfie pas de toi. Tout ce que je veux, c'est que tu crois en la sincérité de mes sentiments. Eh bien, si vos sentiments étaient vraiment sincères, vous respecteriez la promesse que vous m'avez faite. Vous avez déjà oublié que vous ne me poseriez plus jamais de questions? Oui, d'accord, j'ai compris. Tu as encore gagné. Je te jure que je ne te demanderai plus rien. Mais... à une condition. Et tu dois me dire oui. Il est hors de question que je dise oui. S'il te plaît, je fais tous les efforts possibles. Fais-moi une toute petite concession. Alors allez-y. Mais c'est la dernière fois, je vous préviens. Bon, très bien. Mais tu dois me dire toute la vérité. Et rien d'autre que la vérité, Isabelle. Isabelle. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi. Parfois, j'ai été maladroit et stupide, et je te prie de m'excuser. Isabelle, s'il te plaît, dis-moi la vérité du fond du cœur. Tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes autant que moi, je t'aime? C'est quoi ça? Estella, à mon avis, tu t'es trompée de chambre. On dirait plutôt que c'est la chambre du cheikh.
Le domestique a dû se tromper. Oh, allez, c'est pas grave, je suis trop curieuse. Les vêtements d'une princesse orientale sont comme sa deuxième peau. J'espère de tout cœur ne pas m'être trompée dans le choix. Ah, non, tu ne t'es pas trompée, mon chéri. Ah, si c'est ça son premier cadeau. Ah, non, tu ne t'es pas trompée, tu ne t'es pas trompée. Oh, mon Dieu, quelle beauté. Ce serait une grande joie de te voir danser la danse langoureuse du serpent. Je t'attends ce soir sur mon yacht. Il y a des fois où j'aimerais me fâcher contre toi, mais je n'y arrive pas. Mais à chaque fois que je me souviens de presque tout, toi tu te mets à me poser plein de questions. Et c'est comme ça que je me rends compte que tu te méfies encore de moi. Oh, enfin Miguel, tu me fais perdre la raison. Ma princesse, quand on perd la raison, c'est qu'on aime. Et aimer, ce n'est pas facile. Et porter cet amour non plus, Isabelle. C'est pour ça qu'on doit tout faire pour protéger notre amour. Pour que notre amour puisse grandir, Isabelle. Monsieur Aristigueta, gardez votre distance, s'il vous plaît. Et puis, les seules choses qui devraient intéresser et occuper votre esprit en permanence, c'est votre famille et Colossal Funchal. Oh, est-ce que je suis contente que vous soyez encore là, parce que je suis fatiguée de trimballer ça. Tout ça, c'est pour... Ça, c'est pour... vérifier toutes les commandes et mettre à jour tout l'inventaire. Merci beaucoup, Sandra. De rien, Miguel. Mais la prochaine fois, il me faudra une grande brouette. Oui. Madame Isabelle, il faut tout vérifier et mettre à jour l'inventaire pour aujourd'hui même. Il n'y a rien de personnel, c'est professionnel. Amuse-toi bien, ma belle. Aïe. Sandra, oui. Tu veux bien m'aider un peu? Oh, c'est lourd. Oui. On va tout mettre dans le bureau de Monsieur Gaëtan. Je rêve. Écoute, ce Miguel, c'est un vrai profiteur. Je te jure que je ne le supporte plus. Ne me laisse pas en plan. Si j'ai gaffé, excuse-moi, mais... Mais tu sais, je me contrôle plus et on doit parler. On peut pas rester comme ça. Je ne veux surtout pas te faire peur. Tu me repousses alors que je te veux pas de mal. Mais tout ça, je le sais bien. Mais alors pourquoi tu es comme ça? Regarde, tu trembles et je sais que c'est ma faute. C'est vrai que je sais pas me contrôler et que quand je te vois, la première chose dont j'ai envie, c'est de t'embrasser, de t'aimer, de te protéger. Non, Climaco, s'il te plaît, je t'en prie, ne me dis plus rien, d'accord? D'accord. C'est bon, je vais plus rien te faire. Mais je veux pas que tu me fuis. Mais tu ne comprends pas que je ne suis plus libre. Mais pourquoi ça? Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que t'as signé un papier dans un moment d'hésitation, de confusion? Mais qu'est-ce que tu ressens, dis-moi? Ou bien alors, j'ai mal compris et en fait tu ne ressens rien pour moi? Si, bien sûr que je t'aime. Mais ça ne suffit pas, Climaco. Il est trop tard, tu n'as pas encore compris. Non, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard parce que tu viens de me dire que tu m'aimais et cette fois, je suis décidé à me battre. Oh, Allah! Fais en sorte que cet homme ne me plante pas ici! J'ai l'air trop ridicule dans cette tenue. Oh, Seigneur, je vous promets sur ma vie que je préférerais mourir plutôt que de rentrer à l'hôtel comme ça. Ah, Allah, mon Dieu adoré, s'il te plaît. Oh, aie pitié de moi. Ah, tout ça pour moi? Ah! Cheikh! Je suis là pour toi. Oh mon Dieu, ce n'est pas un homme. C'est une apparition. Un roi, un monarque, que dis-je? Mon Dieu, Cheikh! Alors. Profil de vainqueur. Milliardaire. Ouais, milliardaire. Romantique. Il doit être musclé avec la peau ferme. Oui, c'est lui, Seigneur. Aucune carte de crédit ne peut l'acheter. Il n'a pas de prix, je suis le Cheikh! Oh, ma boucle d'oreille. Cheikh, mon beau Cheikh, je vole pour toi. Cheikh! Quoi? Mon Cheikh!
Non. Mais Viviana... Non, Climaco, s'il te plaît. Je veux t'aimer sans... T'aimer sans avoir de remords. Sans culpabiliser, mais pour l'instant... T'aimer me fait du mal. Mais comment ça peut te faire du mal, Viviana, si notre amour est... est bien vrai et sincère, alors... Non, c'est faux. Il n'est pas sincère parce qu'il est arrivé dans un moment où ma vie est très compliquée. Et nous allons gâcher nos vies juste à cause d'une erreur. Comment tu vois ta vie avec Raimundo? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment sera ma vie avec Raimundo, mais... C'est la réalité, Climaco. Je suis une femme mariée, je ne suis pas honnête. Je ne suis pas honnête, ni envers lui, ni envers toi. Non, Viviana. T'es une femme pure et... et claire. Tu me fais voir la vie encore plus belle et encore plus grande. Alors comment fait-on? Si moi, je ne la vois pas comme ça. Et tant que... ce nœud que je sens dans le ventre et qui m'asphyxie sera encore là, je te demanderai, s'il te plaît, de ne plus m'approcher, d'accord? Pars, s'il te plaît. Non, Viviana. Viviana, pars, non. Climaco, s'il te plaît. Viviana. 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 C'est joli. Merci. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous allez passer la journée à me regarder? Écoutez, vous savez quoi? Faites très attention avec moi. Parce que si je suis venue jusqu'ici, c'est uniquement pour le chèque, votre maître, qui m'a laissé un petit mot très romantique dans ma chambre. Quoi? Vous êtes muet ou quoi? Vous ne comprenez pas ce que je vous dis? Oh non, ça suffit, j'en ai marre de vous, je ne supporte plus! Monsieur le capitaine! Que puis-je pour vous, mademoiselle? Ce monsieur est en train de se moquer de moi et de tout, tout, absolument tout ce que je lui dis. Et vous savez quoi? Je crois que le prince, et je suis même sûre que le prince, va le licencier parce qu'il est nul comme domestique. Il est incapable et il a l'air idiot. Mon Dieu, capitaine, aidez-moi! Je crois que cet homme ne parle pas notre langue. Vous pouvez me dire à quelle heure arrive le prince? Je suis désolé, mademoiselle, mais le problème, c'est que le prince vient de m'informer qu'il lui est impossible de venir maintenant. Quoi? Quoi? Non, 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 vous voulez me faire mourir ou quoi? Ça veut dire que le prince va me laisser avec cette tenue? Mais pourquoi? Il vous présente ses excuses et il vous prie de revenir plus tard, au coucher du soleil, parce qu'il y aura un grand cocktail ici sur le yacht, mais il faudra venir dans une tenue adéquate. Adéquate? Adéquate? Comment ça, une tenue adéquate? Et puis qu'est-ce que vous entendez par adéquate? Hein? Je suis très bien habillée. Écoutez, vous savez quoi? Vous allez dire à votre chèque qu'il peut aller se faire voir où il veut et que la danse du serpent, c'est la grand-mère de Tarzan qui la dansera parce que personne ne se moque de Stella Aristigueta. Un café pour moi aussi. Bien sûr. Laisse-moi te dire que tu es en train de faire une fixation très dangereuse. Mais je te comprends, tu sais. Parce que moi aussi, je crois que je suis en train d'en faire une. Mon vieux, oh, quelle belle femme. Waouh. Dis-moi, tu crois qu'Isabelle la connaît? Mais il faut lui demander. Hein? Où sont passées tes qualités de... d'impitoyable séducteur? Je suis toujours là. Ah, très bien. Dès que tu sais quelque chose, tu viens me le dire. C'est peut-être encore un mystère de plus à mettre sur la liste d'Isabelle Vélez. Non, ne t'inquiète pas, je ne suis pas en train de douter d'elle. J'aime cette femme, avec ses mystères, avec ses secrets, tout. Je suis accro, mon vieux. Il y a des amours qui tuent. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Une fois qu'on est pris dedans, il faut payer l'addition. Et pour toi, c'est trop tard. Justement, j'en suis là. J'essaie de marquer des points avec elle. Mais c'est pas évident. Parce que je sens que je suis amoureux d'elle jusqu'à la moelle, d'une femme que je ne connais pas. Et alors je me demande, où est passé Miguel, le stratège? Où est-il? Je dois accepter que ce Miguel a disparu quand j'ai rencontré Isabelle Vélez. Comment allez-vous, Monsieur Gaëtan? Je suis désolée d'avoir envahi votre bureau, mais bon... Mais la meilleure chose qui puisse m'arriver, c'est que tu sois là, ma fille. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est la vie. Il pleut dans ma vie.
Et je n'ai pas le moindre parapluie pour me protéger. Ah, mais... Mais bien sûr que si. Parce que, bon, moi je suis là... Et il y a de la place pour deux sous mon parapluie. Ma jolie, je voudrais te demander une chose. J'ai vraiment besoin... d'un vrai câlin. Un petit, mais c'est nécessaire. Mais bien sûr. Avec plaisir, allez. Allez, racontez-moi. Hein? Pourquoi vous êtes comme ça? C'est à cause de l'amour. C'est l'amour. Monsieur Gaëtan, vous m'aviez parlé de... d'une femme que vous avez aimée à Barlovento. S'il vous plaît, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Tu sais, si je te fais ce commentaire, ce n'est certainement pas pour que tu doutes d'Isabelle, mais parce que ces deux femmes sont si belles que j'ai pensé qu'elles avaient quelque chose en commun. Non, ne t'en fais pas, Rolando. Isabelle est comme un tombeau égyptien. Il faut commencer par y aller petit à petit, parce que sinon tu te perds dans ses méandres. Oui, mais toutes les femmes sont comme ça. Faut pas chercher midi à 14h et garder son calme. En plus, avec tes histoires de fausses séductions, le détective et tout le reste, c'était déjà bien. Toutes les femmes sont mystérieuses. Oui, ça c'est vrai. En plus, toutes ces énigmes lui donnent comme une couleur particulière. Tu ne trouves pas? C'est vrai que le fait de tomber amoureux, c'est aussi se découvrir. Et moi, j'ai envie de découvrir qui est Isabelle Vélez. Tu sais... L'amour, il faut l'accepter comme il vient. Mais parfois, l'amour est dans une autre maison, il vit dans une autre maison avec d'autres gens. Mais ça reste quand même l'amour. C'est très beau, Monsieur Gaëtan. Mais c'est difficile. Oui. Mais ça, tu verras que tu l'apprendras quand tu seras plus âgé, parce que tu es encore un petit oiseau dans son nid. Mais ce qui peut t'aider à comprendre, c'est la chose suivante. Voilà. Les deux choses les plus importantes. Quand il y a de l'amour, il y a de la vie. C'est après qu'on mélange tout, mais... En fait, tu sais, tout ne repose que sur deux choses. Amour et pardon. Amour et pardon. Vous êtes sage, Monsieur Gaëtan. Non, Dieu est sage. Moi, je ne suis qu'un vieil homme... nostalgique. Mais avec toujours assez de cœur pour avancer, alors mettons-nous au travail. C'est comme ça que je vous aime, avec le sourire. Tristesse, zéro. Point à la ligne. Et c'est grâce à toi, ma chérie. Vous savez, je voudrais bien être comme vous. Avoir un amour comme ça, un vrai... Le vivre, en profiter, en souffrir et être heureux. Ça viendra. Ça viendra, ma chérie. Seulement, tu dois le désirer de toutes tes forces. Et tu verras que ça arrive de façon tout à fait imprévue. Je rêve adéquate, hein? Revenir avec une tenue adéquate pour les cocktails! Et tous ces chiffons, c'était pourtant ton idée, hein, Sheik? Émir! Mais ça, c'est quoi? On dirait que c'est... un voile de noces arabes. Oh, il est génial, mon Sheik! Il n'était pas sur Soyo tout à l'heure parce qu'il est allé me chercher une tenue de mariée. Une tenue de mariée? Ah! 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 C'est joli, c'est joli. C'est quoi ça? Que c'est beau! Ah là! Ah là!
Allah adorée, Jésus adoré. C'est une bague de fiançailles. Il n'y a aucun doute, Estella. Le cheikh va te demander en mariage. Oui. Quel amour. Attends un peu, attends. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Je dois aller sur le yacht, je dois aller sur le yacht, vite, vite. Mais mon Dieu, regardez-moi ces pointes. J'ai besoin d'un séchoir, j'ai besoin d'un séchoir, vite, vite un séchoir. Ouvre-toi. Et maintenant, Estella, maintenant, au travail. Parce que ces pointes, tu vas les raidir et vite fait. Bon, alors, qu'est-ce que Viviana attend, mon Dieu? Et pourquoi est-ce qu'elle se sent coupable? C'est comme pour les remords, c'est quoi ça? Je vois pas pourquoi mon amour lui ferait du mal. C'est parce que je suis pauvre. Oui, c'est ça, c'est parce que... C'est parce qu'elle a honte que sa famille, qui a beaucoup d'argent, la voit avec un pauvre type comme moi. Un homme noir et pauvre. Ah, c'est elle. C'est Viviana. Voilà. Je le savais. Alors, tu as bien réfléchi, Viviana? Je savais que tu reviendrais. Non. Allez, entre. Non, non, Climaco, non. S'il te plaît, ne complique pas les choses, d'accord? Je suis venue voir l'ami. Je ne peux plus être la seule à porter ce poids. J'ai besoin d'un ami et... le seul ami que j'ai, c'est toi. Comment est-il possible que vous laissiez ma Viviana rejoindre l'autre, là, cette espèce de taré de Climaco? Je ne sais pas, mais j'imagine qu'on avait besoin de lui. Écoute, quand t'as besoin d'un employé, tu prends quelqu'un d'autre et c'est tout. Écoute, Raimondo, avec cette attitude, tu n'arriveras nulle part. Serre-toi un peu de ta tête, ok? En attendant, ce taré devrait être viré depuis longtemps. Je jure que je vais lui casser la figure, je te le jure. Et la Viviana, elle s'en va aussi, tranquille, hein? Je te rappelle, Raimondo, que la Viviana est ma fille. Et je ne permets pas ce genre de manière avec elle. Où est passée ta si bonne éducation, hein? Nena, excusez-moi. C'est parce qu'on est en plein préparatif du mariage religieux. Et ma Vivi est partie travailler. Vous le croyez, ça? Viviana est au travail? Ouais. Mais enfin, Hannibal, tu ne t'occupes donc jamais de ta sœur, hein? Bon, Raimondo, puisque c'est comme ça, il est clair que je te donne raison. Qu'est-ce qui lui prend à Viviana? Ces derniers temps, elle ne fait rien d'autre que travailler, travailler, travailler. Il va falloir que je parle avec elle, il n'y a pas que le travail, elle doit aussi s'occuper un peu de son mariage. Oui, appelez-la, appelez-la. Oui, tu as raison, il faut que je lui parle. Viviana, je sais pas quoi faire. C'est vrai, tu me demandes de l'aide et quand je m'approche de toi, toi tu repars et tu me demandes de te parler sincèrement et quand je le fais, tu me vois comme un idiot, comme quelqu'un de désagréable et je sais pas comment réagir. Non, non, Climaco, tu n'es ni idiot ni quelqu'un de désagréable. Je veux tout simplement trouver la meilleure solution à tout ça parce que ce qui est sûr, c'est que je ne veux pas que ça finisse. Tu es une personne très importante pour moi. Et c'est justement pour ça que je cherche l'ami en toi, pour qu'il m'aide à trouver une solution à tout ça. Viviana, et moi, comment je fais si cet ami que tu cherches a complètement perdu la raison parce qu'il est tombé amoureux de toi? Non, Climaco, non. Tu ne comprends pas que cet amour est impossible tant que dans ma vie, il y aura Ray. Et si tu lui disais la vérité? Si tu finissais par enfin lui dire tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens, c'est ça la solution. La solution, c'est... Non, ce n'est pas la solution. Ce qui se passe, c'est que... tout ce que je vis désormais n'a plus rien à voir avec le cœur. J'ai peur, Climaco. J'ai peur de tout ce qui peut arriver. J'ai même peur de Ray. J'ai peur de moi-même. Du calme, Raimondo. Parce que l'impulsivité n'est pas bonne conseillère. Écoute, Hannibal, quand je me suis marié avec ta sœur, on s'est tous mariés. Et tu connais parfaitement le pourquoi et le comment. Et moi, j'ai rempli ma part du contrat, d'accord? Mais je n'accepterai pas que n'importe quel type essaie de... Attends, Raimondo. On dirait que tu ne connais pas bien Vivi. Tu sais bien que ma sœur est incapable de faire quoi que ce soit de mal. Tu as déjà oublié que c'est une romantique, qu'elle est amoureuse de toi? C'est plutôt la jolie veuve qui te rend nerveux. Hannibal, s'il te plaît, oublie cette Isabelle, je te l'ai déjà dit. En plus, faut pas tout mélanger. Je suis en train de te dire que Climaco est en train de draguer Vivi, et ça, je ne peux pas le tolérer. Ne t'emballe pas, Raimondo, occupe-toi de ma sœur, et de lui dire quoi voter au prochain conseil. Et surtout, obtiens le vote de la jolie veuve. Et le reste, tu me le laisses.
Je m'en occupe. Alors agis, Hannibal, agis. Viviana, reconnais au moins qu'il y a quelque chose là en toi qui bat très très fort et qui cherche à choisir entre Ray et moi. C'est la première, c'est la seule chose à assumer pour sortir de l'impasse. Mais si tu n'y vois pas clair, qu'est-ce qu'on peut faire ? Climaco, je ne sais pas comment va se finir toute cette histoire, mais quoi qu'il arrive, je veux que tu me promettes une chose. Et c'est quoi ? Eh bien, au-delà du fait que je parle ou pas avec Ray de ce que je décide, tu ne dois pas t'éloigner de moi. Tu ne dois jamais me quitter. Viviana, ce que tu es en train de me demander, c'est de me suicider. De mourir doucement. Oh, Climaco, je t'en prie, promets-le-moi. Promets-moi que jamais tu ne t'éloigneras de moi. Promets-le-moi. Oh Allah! Ah mon Dieu chéri, s'il te plaît! Ah, mais pourquoi est-ce que je suis née avec des bouclettes sur la tête? J'ai perdu un temps fou avec ce sécheur de malheur! Ah mon prince! Mon cheikh, pourvu qu'il ne soit pas déjà parti! Je vous en prie, pourvu qu'il ne soit pas parti! Ne me laisse pas! Cheikh! Cheikh! Oh, Cheikh! Oh, Cheikh! Oh, Cheikh! Oh, Cheikh! Princesse! Permettez. Merci. Ma princesse, je dois partir, mais ceci est pour toi. C'est la demi-lune de mon pays et... Tant que tu me laisses exploser dans le fond de tes yeux, ma jolie, je m'en moque. À propos, quel est le numéro de ses yeux ? Le numéro gagnant, c'est de t'avoir rencontré, mon cher docteur. Ah, enfin, en tout cas, j'espère que cette tenue te plaira. Tu parles toute seule, Tabata ? Allô ? Non, c'est une erreur. Salut. Tu rentres tard ? Je vois. Une nouvelle jupe. Elle court pour répondre au téléphone. Ah. Je suis peut-être vieille, mais pas idiote. Dans quelle histoire tu es encore allée te fourrer? Tu sais quoi, mon petit amour? Ton oncle me court toujours après. Je crois tout ce qu'il me dit. Oui. Ah, quand je pense à lui, à ses beaux yeux, j'ai quelque chose ici qui me répète que c'est vrai, qu'il m'aime. Tiens, dis quoi, hein? Je dois le croire. Tu imagines Miguel, Valentina et toi, tous ensemble? Ah, ce serait de la folie, n'est-ce pas?
Mais bon, quand il y a de l'amour, même les gens normaux deviennent tous fous. Ah, mon joli petit trésor. On serait une famille vraiment très bizarre, mais très heureuse. Ah, mon petit ange. Ton oncle me rend complètement folle, tu sais. Oh, c'est un dragueur, ce docteur, non? Bah, mais il est quand même très sympa comme mec. Ah! Et quel saint est descendu du ciel pour pousser ma fille à la cuisine et la transformer en fée du logis? À moins que ce soit un bon bougre d'ici, de la terre, avec un prénom masculin. Oh, maman, arrête tes bêtises. À t'entendre, on pourrait croire que je ne vous aide jamais. Si, tu aides, mais seulement si on te le demande et toujours en râlant. Écoute, maman, comme maintenant c'est toi qui râles, c'est toi qui surveilles la casserole, c'est tout ce qui reste. Moi, je vais me doucher. Ah, si on m'appelle, rien, tu notes, hein. Ciao. Et tu dis que je prends mon bain. Et qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas une histoire de garçon là-dessous. Je sais ce que c'est. Salut. Bonsoir. Salut, maman. Bonsoir, mon chéri. Tu n'as pas l'air d'avoir le moral. Comment ça s'est passé? Eh bien, on peut dire merveilleusement mal. Ah, mon chéri, mais raconte-moi ça. Merveilleusement mal, c'est quoi ça raconte? Non, on rit pas, maman, c'est vrai. Ce qu'il y a, c'est que quand je suis avec elle, la vie tout d'un coup prend plein de couleurs et elle devient vraiment très belle. Je sens ici, à l'intérieur, mon cœur qui bat et j'aime bien ça, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi tout est si difficile. Et dis-moi qui t'a dit que l'amour était simple, hein? Ah non, mon chéri. L'amour, c'est un petit malin sans la moindre honte qui nous fait tourner comme des idiots et qui met nos vies en l'air. Mais qu'est-ce que c'est bien quand il nous laisse comme ça, comme des idiots avec la tête qui tourne, n'est-ce pas? Et alors, tu crois que ça va me remonter le moral? Mon chéri, tu sais ce qui est important? L'important, c'est que ce petit cœur reste bien vivant, tu vois? Pour qu'il continue à se battre pour cet amour. Jusqu'à ce que cet amour décide que c'est le bon moment. Je sens que je ne vais pas passer la nuit aussi seule que je le croyais. Oh, t'excite pas. Je viens juste prendre un verre. Très bien, mon chéri. Bienvenue au bar. Qu'est-ce qui nous arrive, Raimundo? Quand est-ce qu'on s'est éloigné, mon frère? Tu as commis... Et moi aussi, j'ai commis beaucoup de fautes. Mais il est trop tard, Miguel, pour recoller les morceaux. Il ne nous reste plus qu'à vivre avec cette haine. Non, je ne veux pas en arriver là parce que... Parce que tu es mon frère. Mon ami, mon cadet, avec qui j'ai partagé plein de bonnes choses. Toti, dis-moi une chose. Est-ce que tu trouves que je suis un sale type? Pour moi, tu es parfait. Et surtout au lit. Pourquoi tu me demandes ça? Je te parle sérieusement et toi, tu me sors un truc comme ça. Ça va, ne le prends pas mal, y a pas mort d'homme. J'ai promis à mon frère Miguel de couper nos liens. Mais j'hésite, Toti. Il s'agit de mon frère, on est du même sang. Comme ça, tu sauras, Ray. Tu sauras enfin si elle te plaît tant que ça, ta petite belle-sœur. Au point d'en pourrir la vie de ton frère. Ou bien si c'est seulement pour le plaisir de le détruire. Je ne sais pas. Quand je le vois, je sais que c'est mon frère. Mais on est deux types très différents. Mais bon, je ne vais pas me gâcher la vie pour ça. En attendant, je gâche celle de Miguel. C'est comme ça. Mais je garde Isabelle. Santé. Bonsoir, Miguel. Tu es là? Un problème avec Valentina? Non, rien. La petite va très bien, ne t'inquiète pas. Je suis venue parce que j'ai besoin de discuter avec toi, parce que je dois prendre une décision très importante, Miguel. Je ne veux pas paraître grossier, mais le plus sage serait que toi, tu prennes tes décisions sans me consulter. Il est pourtant bien clair que toi et moi, on ne peut pas être amis, parce qu'on finit toujours par tout mélanger, Isadora. Ah oui? Tu trouves? Oui. Je trouve. Et je crois que ce n'est pas une bonne idée de se voir souvent. Parce que toi et moi, on n'est plus en couple. Miguel, toi et moi, on sera toujours un couple parce qu'on a eu une fille. Non.
Non, toi et moi, on est les parents de Valentina. Est-ce que c'est clair pour toi? Pas plus, quand vas-tu le comprendre? Miguel, quand est-ce que tu vas comprendre, toi, que la décision qu'il faut que je prenne, moi, va changer nos vies? La tienne, la mienne, et bien sûr celle de Valentina. Ah, mon petit amour. Ce serait si beau d'avoir une vie ensemble. Toi, le beau gosse et moi. Et bon, comme lui, c'est ton oncle pour de vrai, l'association serait parfaite. Et toi, tu serais notre petit trésor. Et moi, un autre trésor. Oh, on serait tous si heureux, si heureux. Les dimanches, on se lèverait très, très, très tard. Et après, on préparait un bon petit déjeuner. Et aussi, on mettrait de la musique très fort. On nous en casser les oreilles. Et on danserait partout, dans la cuisine, la salle à manger, le salon. Mais je vais te dire une chose, mon petit amour. Tu sais que ton oncle ne sait pas du tout danser en rythme. Pour ça, il est nul, hein. Mais c'est pas grave, on va lui apprendre, hein. C'est pas difficile, pas vrai? Et on danserait comme ça, en rythme. Oh là 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 là. Oh, pardon, Madame Bernarda, pardon. J'étais seulement... j'étais en train de jouer avec David. Bon, c'est vrai, il dort, mais... Ce n'est pas grave, il n'y a pas de problème. Bon, mais je dois t'avouer que de voir la veuve de Rodolfo avec Miguel, ça me préoccupe. C'est la répétition d'une histoire très délicate. Mais comment peut-on enfermer derrière les barreaux un cœur, surtout quand il est aussi jeune et passionné que le tien? Jamais. Désolée, je... Isabelle, aurais-tu oublié que je suis la femme la plus âgée de cette maison? Qu'est-ce que tu vas me dire, dis-moi? Que tu ne l'aimes pas? Toi et moi, nous savons que c'est faux. Toute Isabelle le crie. Et même si tu essaies de le cacher, on peut le voir de loin et encore mieux de près. C'est très flagrant. Ah. Non, Madame Bernarda, ne me dites pas ça parce que ça ressemble à ce que me dit... Enfin, que me disait ma grand-mère. Ça doit être parce que ta grand-mère et moi sommes des gens âgés. Et nous, les vieux, nous savons. Même si parfois on essaie de nier avant d'accepter les choses, mais on les connaît. Non, Madame Bernarda... Écoutez, je vous avais promis une chose. Je vais le faire, promis. Tu es si sincère que ça me touche. Quand je dis que les vieux savent, je veux dire que nous comprenons qu'on ne peut jamais enfermer un cœur. Alors, si vous deux, vous vous aimez vraiment, je ne peux pas m'y opposer.